Il scanne les environs. Ce serait un honneur de te parler. Les réserves sont remplies. Les Karja appellent ça honneur. Et nos éclaireurs sont à la fin des canons de Stromberg. Le rang s'est top. Trois autres chasseurs ont réussi l'épreuve. Et notre but était de reprendre la montagne. Qu'est-ce qu'on fait? Tenez-vous prêts. Affûtez vos lances. Si on n'en revient pas, ce sera à vous de défendre la plaie. Si notre chef est d'accord avec ce plan. Ça me paraît sensé, mais espérons qu'on n'en arrivera pas là. Bonne chance. Le poids du commandement est un lourd fardeau. J'ai remarqué. Je suppose que tu n'as pas parlé à Ouréa ? Je devrais. C'est tout ce qu'elle voulait. Retourner au fût du tonnerre. C'est tout ce qui l'intéresse. J'aurais dû me douter qu'elle trouverait un moyen d'écarter ma lance. Quand les Karja ont capturé ma sœur, elle n'est pas revenue indemne. Qu'est-il arrivé à Ouréa quand elle était avec les Karja? En tant que chamane, elle est douée avec les machines pour les traquer, les étourdir. Les Karja l'employaient pour les capturer pour la fosse. Où ils les lâchaient sur des innocents. Ils l'ont mêlée à leurs loisirs sanguinaires. La honte qu'elle a éprouvée sous leur soleil impitoyable. Elle a survécu. Elle a tenu bon. Tenu bon en se concentrant sur son esprit. Sur son but. C'est tout ce qui lui reste. Qu'est-il arrivé à la première expédition ? Ouréa nous a guidés vers le sommet. Mais une grande porte barrait le passage. Un genre de creuset. Du métal. On a essayé de la forcer. Mais elle ne bougeait pas. On était épuisés. On était pris entre cette porte et les machines. J'ai pris la décision de reculer. Ça nous a coûté cher. Mais on aurait tous péri en restant là-bas. J'espérais ne plus jamais faire subir ça à Ouréa. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je ne sais pas. Cette grande plaque de métal, ce bourdonnement. Il n'y a rien de sacré ici. Des machines et la mort, c'est ce que nous réserve la montagne. Notre mort ou celle du Daemon. Et si on retrouve cet esprit? Alors on devra peut-être abréger ses souffrances. Pour ce que ça vaut, merci de m'accompagner. Quelqu'un doit protéger Ouréa. Ces jeunes chasseurs sont inconscients. Ils parlent de la crypte souterraine comme si c'était une machine normale. Il paraît qu'un bruit trop gros.
Je sens plus, mais... je sens plus rien, en fait. Aloy, nous y sommes. Je vais avoir la chance de retrouver l'esprit et... peut-être lui rendre la lumière bleue. Je n'aurais jamais eu cette chance, toute seule. J'avais besoin d'une étrangère. Ignorante de nos coutumes, mais... non, pas ignorante, mais... Tu veux me remercier, Aurea ? Oui, bien sûr. C'est ton talent. Tu démêles les nœuds, tu crées des opportunités. Merci d'avoir rendu ce pèlerinage possible. J'aurais juste préféré ne pas avoir à humilier Aratak. Tu as eu raison de le laisser venir. Il en a le droit, il est buté, mais... il le fallait. La guerre l'exigeait. Et moi aussi. Aratak m'a dit que tu as longtemps été prisonnière des Karja. T'as dû souffrir. Pour Aratak, tout est lié à ça. Il croit que les Karja m'ont changé, mais c'est faux. Ils m'ont rendu plus résolue. Quand tout semble perdu, on pense à ce qui compte vraiment. L'esprit, la lumière bleue, l'au-delà. Et mon frère, bien sûr. Chaque fois que je sentais le vent glacé du nord, je pensais à lui. Je m'inquiétais. Qu'a fait la guerre à Aratak ? Elle a tout éliminé, ne laissant que son essence. Une âme de glace. Aucun Banouk n'a sa volonté. Il a combattu les Karja pendant 1000 nuits gelées, mais ralliait toujours ses chasseurs à l'aube. Il a subi 23 blessures pendant toutes ces années. Ses hommes ont compté, il ne s'est pas plaint une seule fois. Pourtant, il se plaint que la vie est plus dure avec moi. C'est vrai, je ne lui apporte jamais que des ennuis. Maintenant que je suis chef du Vérac, est-ce que je peux t'ordonner de me parler de Silence ? Aratak ne se serait jamais permis de convoiter un secret du Conclave. Mais tu n'es pas Aratak et... si tu as eu affaire à Silence, je comprends ton insistance. Silence était un jeune chaman des Terres du Nord. Il venait du guet de la Chouette. Un Vérac isolé et rarement présent aux assemblées. Silence était chaman ? C'est ça. Ou du moins, quand nos coureurs ont demandé au guet de la Chouette, c'est ce qu'on leur a dit. Il connaissait les machines comme personne, et puis... il était impatient d'échanger son savoir avec nous autres. Il a eu tôt fait de gagner la confiance du Conclave, et même par la suite, de recevoir une invitation. Toi aussi ? Tu lui faisais confiance ? Non. Mais je l'admirais. Il avait de la prestance, de l'autorité. Je voulais qu'il m'instruise, mais... ça ne s'est jamais fait. On lui a révélé notre lieu de rencontre le plus sacré, les cavernes gelées du Malmstrom, à un mois de marche de Banur. Il nous y a rejoint comme de coutume, en plein hiver. Mais, à la visite suivante, les grottes avaient été pillées. Des reliques des anciens, volées. Des trous dans la glace et le métal. Oui, ça ne m'étonne pas de Silence. Il a disparu avec son butin. Nos meilleurs pisteurs l'ont pris en chasse, sans revenir. Et quand on a contacté le guet de la Chouette, ses garants avaient tous disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Certains membres du Conclave pensent même qu'il n'était pas réellement Banouk. Qu'est-ce que tu en penses ? Il a commis un sacrilège impardonnable. Il est sans scrupules et dangereux. Mais aussi brillant, habile. Et instruit comme personne d'autre. À part, peut-être, toi. Je ne vais pas tenter de t'en dissuader. Je pense que tu pourras traiter avec lui sans danger. Mais reste sur tes gardes. Je m'en souviendrai, Aurea. Merci. Qu'est-ce qu'on trouvera là-haut, Aurea ? Des ruines, des machines, une porte, comme celle d'un creuset. Je sais que tu trouveras le moyen de passer à l'œil. Car au-delà se trouve l'esprit. Je sais que je l'y trouverai,
Mais je sais que le Daimon a tenté de cacher la voie. Ça a dû être dur pour toi, Ourea, de revenir ici. C'était incroyable de l'entendre à nouveau. Cette fois, tu l'entendras. J'aimerais bien. Alors, tu es prête? Une fois partie, le retour ne sera pas simple. Seul à attendre. De la fumée a été détectée dans le complexe. Ce n'est pas un test. Veuillez rester calme et rejoindre la sortie la plus proche. Je répète, ce n'est pas un test. Alors, tu vois, veuillez rester calme. Moi aussi, je peux invoquer le pouvoir des anciens. L'esprit m'a dit que tout ça faisait partie de son domaine autrefois. Une forteresse conçue pour défendre l'humanité d'un grand danger. Une forteresse? On dirait plus une machine. Est-ce étonnant? La lumière bleue habite souvent les machines. Espérons seulement qu'il en reste ici. Ici, par-dessus. Nous sommes le 21 novembre 2064. Il y a 3 ans que je ne suis pas venu ici. Même 12 ans que je ne dirige plus cet endroit. Il ne reste que des squelettes qui ne comprennent pas ce que je fais là. Tout comme moi. Anita veut que je trouve le moyen de suspendre les opérations. Peut-être pour longtemps, et j'ignore pourquoi. Mais d'après le son de sa voix, elle avait l'air terrifiée. Oh, j'aimerais pouvoir la regarder dans les yeux et lui demander ce qui lui fait si peur. Mais c'est pas nouveau. Je rêve en permanence de la regarder dans les yeux. Aloy, tu écoutais quelque chose? Il y a des souvenirs ici. Des messages laissés par les anciens. Et tu peux les entendre. Je t'envie. Que disait-il? J'en suis pas sûre, Ourea. On peut les prendre par surprise.
Détruisons les machines et sans crainte. J'ai plus de pièges. Et la voix deviendra claire. On n'est plus très loin.
fois qu'on est venu, on est passé de ce côté. Mais les machines nous ont vaincus. On s'est repliés en perdant du matériel et des hommes. Nous allons devoir vaincre avec seulement deux guerriers et un chaman à protéger. Aloy n'est pas une guerrière ordinaire. Et je peux me défendre. Mais bon. On pourrait passer par là plutôt. Il y a des machines là-haut, mais aussi des abris. On pourrait rester cachés, au moins au début. D'accord, je vois nos options. Maintenant, suivez-moi. Des tuyaux, des tours, de la vapeur, du gel. Je suis passé par ici il y a des années, en quête d'un abri pour échapper aux machines. L'endroit est sûrement gardé maintenant, mais nous devrions pouvoir passer inaperçu. Certaines menaces ne se révèlent pas tout de suite. Gare au tracker.
besoin de rester discret, chef. Il fait froid. Très froid. J'ai compris. Le tuyau était rempli de givre lymphe. Mais pourquoi ? Il y a une porte là-bas et un refuge. Nous y sommes presque. Techniquement, je ne peux pas suspendre le refroidissement, mais je peux réduire l'alimentation de façon à ce qu'il soit caché par la caldeira. Mais caché de quoi ? Embrasement a toujours été classé confidentiel, mais cette précaution semble excessive, même pour le regretter, Monsieur Blevins. Qu'est-ce qui aura bien pu inquiéter autant Anita ? Je pensais connaître le froid le plus mordant. Mais ici... Je dois poser quelque chose. Projecteur. Il permet peut-être de voir des hologrammes sans focus. Essayons de l'allumer. Aratak, Urea, vous risquez de voir des formes faites de lumière. Ne paniquez pas. Il en faudra plus que ça pour me faire peur. C'était l'esprit.
avec les anciens. Je n'ai pas réussi à comprendre tout ce qu'elle a dit. Tu avais raison, Urrea. Cet endroit a été conçu pour empêcher un désastre. Et ça a marché. Quant à l'esprit, je commence à comprendre ce qu'elle est vraiment. La porte est ouverte. Nous pouvons passer. On va devoir combattre un tas de machines pour atteindre cette porte. Plus nombreuses que celles qui ont massacré le Vérac. Mais Aloy est avec nous. En avant, alors. L'épreuve nous attend. La centrale peut être suspendue, le système de refroidissement masqué, et tous les défis relevés. Alors pourquoi je stresse autant pour la suite? J'ai qu'à installer le mystérieux logiciel d'Anita et discuter un peu. C'est même pas un être humain, pas vrai? Préparez-vous.
Maintenant, Aloy, la porte. Tu peux l'ouvrir? On va voir. On y va.